Bien sûr que je vais parler. Vous pensez que je n'allais pas parler? Je vais parler. Vous savez, du ce week-end, c'est ce week-end. Vous savez, depuis quelques jours, ça fait 4 jours, banalement, que Hilda, voilà, vous avez tous vu la vidéo sur TikTok, notamment sur TikTok là, hier, HVK, dame, pour toi, il n'y a que cette vidéo, il n'y a que cette vidéo qui circulait. Ah! Un Nigérian, il y a Foy. Du coup, elle a participé à un Guinness Record. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle Guinness Record, allez sur Google, voilà. Donc, elle a participé côté cuisine et elle devait préparer pour battre le record de la personne qui détenait le Guinness Record côté cuisine. Est-ce que vous comprenez? Du coup, c'était une femme qui détenait le record. C'était en 2019, une femme, c'est quoi le nom là? Un nom bizarre, mais... Voilà, c'était une indienne quand même. Et en 2019, elle a préparé 87 heures, 45 minutes, voilà. 0 secondes, je suis en train de voir ici. Genre, 0 secondes avec elle, sinon, kim, voilà. Et Ida, pour battre ce record, elle doit dépasser 87 heures. Genre, mais c'est 87 heures, ça fait plusieurs jours. Hein. 80, parce qu'une journée, c'est 24 heures. Donc, on te dit, tu dois préparer 87 heures. Voilà mon petit traîneau. Que ce soit. Et quand couler dehors, tu dois rester là-bas. Il n'y a pas à faire de. Je vais mettre l'eau au feu, voilà, en attendant que l'eau va mon fiancé. Je vais aller m'asseoir quelque part. Il n'y a pas ça. Tu vas rester debout. Voilà mon poste, il y a qu'à la fion. Donc, voilà, c'était Ida. Hilda, voilà, c'est le nom, qui a voulu battre ce record. Et elle autre, elle a voulu faire 96 heures. Voilà, 96 heures. Et, salut, c'est pas facile. C'était pas facile parce que, voilà, elle a terminé. Elle a quand même réussi. Et chaque heure, c'était la règle. Chaque heure, tu as 5 minutes de repos. Chaque heure, non, une heure, 5 minutes de repos. Et Hilda, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle amassait les minutes de repos. Ça veut dire qu'elle peut rester debout 10 heures de temps ou bien 15 heures de temps à préparer. Et les 5 minutes, là, elle multiplie et puis elle prend ça en gros. Voilà, stratégie, la stratège. Elle prend ça comme ça et puis voilà, elle se repose. On lui fait des massages, tout ce qu'il y a avec. Pour que voilà quoi, prochainement, elle lui trompe Boba. Elle a battu Manille peut-être 10 heures de temps pour préparer. Plus après, il a encore 45 minutes de repos, 1 heure de repos, 30 minutes de repos. Vous voyez, elle peut la stratégie. La stratégie, voilà. Et elle a terminé. Elle a fait les 96 heures. Et puis, moi, ce qui m'a marqué, ce qui m'a retenu, le pourquoi je suis en train de faire cette vidéo, c'est le soutien qu'elle a eu. Voilà. C'est le soutien que la dame l'a eu. C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. C'est le soutien. Déjà, les gens ne pensaient pas que c'est pour manger, ou bien c'est à cause du manger que les gens sont là. C'est que, au le foumoua, ni d'Aganoua, au son des bananas, au son des ramiros, au bétina, tout ça. Mais c'était pas principalement à cause de ça que les gens sont beaucoup là-bas comme ça. C'était pour la soutenir. C'était pour la montrer que voilà, nous sommes derrière toi. Déjà que Hilda, elle est bien connue au Nigeria. Voilà, c'était une personne connue, puisqu'elle a beaucoup d'abonnés sur cette page et tout. Et qui nous soutient. Il y avait les artistes, il y avait quoi, Tiwa Savage, il y avait Buna Boy, il y avait qui? Il y avait tellement d'artistes. Il y avait même Whisky qui était dans son live. Whisky qui envoyait la force depuis son live. Il y avait les comédiens, les Sydney, les influenceurs, les Eni. Il y avait plein de stars. Quand je dis star, là, c'est star. Et puis voilà, c'était un truc. Et qu'il est bagagé. Voilà, vous m'en regardez la vidéo. C'était un truc. Lui était à l'intérieur, mais c'est vitré, quoi, tu vois. Donc, un autre, elle pouvait voir les gens qui sont à l'extérieur. Puis les gens qui étaient à l'extérieur aussi pouvaient la voir. Et il y avait une place VIP pour les artistes qui venaient. C'était un truc bien organisé. C'était un truc très très bien organisé. Voilà. C'était un truc bien organisé. Et les gars, elle a réussi. Elle a réussi. Et puis vous allez constater que ces 2 jours, c'est le nom du Nigeria. Voilà, c'est Nigeria, Nigeria. C'est Nigeria. C'est Nigeria. Maintenant, revenons au pays. Ah, revenons au Togo, voilà, revenons à Lomé. Est-ce que vous pensez que ce genre de truc peut être possible dans ce pays? Est-ce que vous pensez que ce genre de truc peut être possible à Lomé, au Togo? Ou bien qu'un Togolais peut réussir à mettre le nom du Togo, bien à mettre son nom dans un Guinness Record? Certes, il y avait quelqu'un qui l'a fait, mais la personne n'était pas au Togo quand même. Il y avait un Togolais qui a battu un record de quoi? De meilleur mangeur de piment, un truc comme ça. Du piment, fanvi, kouto, kouto, avisi, les gains, kouto. J'espère que vous avez vu cette vidéo. Du coup,
Est-ce que vous pensez que si c'était une Togolaise, une cuisinière togolaise ou une personne togolaise, hein, qui s'était lancée dans ce truc, qui s'était lancée dans le Guinness Record, est-ce que vous pensez qu'elle aurait ce soutien, voilà, le soutien qu'a eu Hilda? Est-ce que vous pensez déjà que nos artistes même, il n'y a pas de valeur en tant que tel. Moi je le dis, hein, et puis je le dirai toujours, nos artistes n'ont pas de valeur dans ce pays. Voilà. Nos artistes, ils n'ont pas de valeur. Tellement tu les. Genre, c'est. En fait, quand je parle de valeur, je parle de quoi? Vous voyez, de façon, les artistes nigériens arrivent là-bas et puis voilà, ils sont hypés. Voilà, les influenceurs, même les influenceurs, les gens qui sont sur le réseau. Déjà, vous savez que Nigeria, Messia met les réseaux dit. Voilà, Messia met Orané les réseaux dit. Mais avec l'État, vous voyez comment ils sont hypés, comment ils sont. Voilà, nous avons que Oda n'a pas pris tort. Moi, tu vois ici, là, les artistes sont pleurs, les influenceurs même. Il y en a. Jusqu'à parler des web comédiens, les. Hein? Vous pensez que des trucs comme ça peuvent se faire au Togo? En tout cas, nous on espère que un Togolais, à part le truc de piment, on espère qu'un Togolais ou bien une Togolaise va quand même nous faire l'honneur de, voilà, de nous faire rentrer dans le Guinness Record, de nous faire rentrer dans un battle de ouf, hein? Dans un battle de ouf, on espère vraiment, sincèrement, Togolais. On espère. Parce que dans les commentaires, je voyais les Togolais dans les commentaires des vidéos. Voilà, il y avait les Togolais, ils mettaient leur drapeau, patati. Bon, si c'était un Togolais, bien, quelqu'un qui vient de ce pays, faisait des trucs comme ça, ils allaient soutenir. Non, ils allaient dire, c'est quoi ça? Les artistes, pas où? Les influenceurs, pas où? En tout cas, j'espère que ça va aller. On est sur le chemin quand même. Et là, les gars, c'était ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Voilà ce qui s'est passé. Came to support Hildabachi hashtag Hilda hashtag cook ETHON. Mercy Hello. Chinwo Yo. Is here to celebrate Hello. Chef at Hildabachi. We are here for Hilda. Welcome. I'm supposed to come out with my cooler, man. That's some food. Let me send you the pot. You're gonna, yeah. She's holding my pot. Plenty pot, so I can use to cook. What's it called? This is my name. I can cook. I love you too. I love you too. Ensemble, gars, c'est dit, vous savez. So go.